Bonjour. Bonjour à toi, aventurier, qui voulait regarder un petit peu de Kawhai jaune se faire casser la gueule. Alors, allons-y. Pourquoi je marchais tout seul vers la gauche? Bon. Allons-y, l'aventure du Kawhai jaune continue un petit peu Little Nightmare pour ceux qui prennent en route. Alors, si éventuellement vous n'êtes vraiment pas intéressé par ce jeu, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, c'est pas forcément mon kiff. Vraiment. Je l'ai sorti pendant que je faisais la dernière session. Je me suis pas spécialement amusé. Est-ce qu'il va me pécho? Non. Ça a l'air d'être le bordel. Ça a l'air d'être le bordel. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Je vais observer. Mais ta gueule! Putain, mais laisse-moi un moment bouger, quoi! Laisse-moi vivre! T'es pas mon père! Allez, barre-toi! Barre-toi avec tes bras difformes! Je vais le tenter, je vais me barrer. Je vais me barrer en courant comme un gros enculé. C'est parti! What? Le mec qui se fait stopper comme une merde. Très bien. Alors, bon, heureusement, on respawn là. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que... Oh, mais j'ai un petit slip blanc. C'est que j'avais respawn dans la cage qu'on avait vue. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qui peut se passer d'intéressant? Oh là 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 là, la baise. Mais c'était ça, je pense. Tu manges ou pas? C'est une famille assez bizarre. Par contre, pour un jeu qui devait donc jouer avec nos peurs, tout ça... c'est la première fois... Ah oui, non, on avait avec les limaces un tout petit peu une ambiance sonore qui permettait de penser que ça pouvait faire peur. Parce que pour le moment, c'est assez léger à ce niveau-là. Ouais. Ah, ok, c'est pas fini. C'est pas fini, ma gueule. Je me vois pas. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je retourne là-bas? Non. Ah, fils de pute! En plus, il a les bras super longs. Tu fais chier, Roger. Putain, le mec, il était tout petit. Il t'attrape de super loin. Imaginez si Marc Dutroux avait eu ses bras. Comment on faisait, quoi? C'est pas possible. Bon. Allez, on y va. Je regarde juste en fond si je vois quelque chose qui pourrait m'aider ici. J'ai pas l'impression. On y va. Est-ce que ça, il y a quelque chose à faire? Est-ce que je monte le long de la corde? La réponse est 9999. Ah, le fils de pute. Ah, alors, il y a la manivelle. Il faut que j'arrive à me faire oublier. Il y a visiblement la manivelle qui était par terre. Il faut que j'arrive à me faire oublier de cette espèce de gros enculé. Suite à ça, je pourrais faire ma vie. Alors comment je fais? Est-ce que je monte sur le carton? Ça me fait vraiment penser à... dans le dernier RE où quasiment toutes les phases de réflexion, fallait les faire... Comment je fais? Je sais pas. Je fais des tractions pendant que tu n'arrives pas à m'attraper. Je te préviens. Il bug. Roger, il est baisé. What? Ah, l'enculé. Tu me saoules. Je crois même que par défaut, ça pourrait être la dernière. Sans jeu. Ça pourrait être la dernière. Parce que je ferai le point. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est... Plus j'y joue, moins j'ai envie d'y jouer. C'est surtout ça, je crois. Le jeu est beau. Ce qu'on attendait de ce jeu, un peu de beauté, etc. Un jeu un peu différent du reste, aussi, sans doute. Mais là, on est sur quelque chose qui ne me convient pas. Allez, repars.
va attendre un peu qu'ils repartent tranquillement et loin. Allez, j'y vais. Là, ça fait pas de bruit. On a entendu. Ouh là 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 là. Ça aurait été pas très très funky hein, de se faire pécho comme ça en sautant. Genre, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te foutrais pas de ma gueule. Qu'est-ce qui. Rien ne va tomber. Non. Mais. Alors, attends. Voilà, allume ça, Roger. Merci. J'arrive toujours pas à être sûr de ce que ça sert. Est-ce que c'est des checkpoints, des trucs, des achievements ou quoi? Oui, alors je peux attendre longtemps, voilà, c'est mieux. Je regardais l'autre écran en me disant, mais on ne voit que dalle en fait, au niveau de la capture, je ne sais pas, je verrai. Alors est-ce que je peux foutre le. Ça sent le truc qui sort des. Ah, super. Je pensais que j'allais marcher dessus, tout simplement. Ça fait beaucoup de chaussures, voilà, un truc qui sort des chaussures. On tente. Fais gaffe hein mec, moi j'ai fait The Evil Within. J'ai pas peur des trucs comme toi. Enfin jusque pour le moment je n'ai pas vraiment peur. Faudrait que je descende juste pour voir par où il va arriver. Juste là, et il me pécho l'enculé. On croirait quelqu'un. C'est comme si j'avais voulu mettre mon doigt de pied dans l'eau pour savoir si elle était bonne et que j'étais tombé dedans comme un gros débile. Enfin, c'est un peu ce qui vient de se passer quoi. T'es là, mais putain, mais t'as pas envie. Ils sont pas cons quoi. Ils sont pas cons. Mais si tu veux juste voir, on remonte tout de suite. Et là, il te dit 999. Je suis une grosse chaise. Hop, allez, on continue. On check. Y'a quoi? J'en ai rien à branler. Je respecte pas les monstres comme toi qui me chopent alors que je sais même pas où t'es et à quoi tu ressembles. Ok. Va te faire foutre. Y a un découpage au niveau des salles qui est très abrupt. Hein. À chaque fois, tu sens que t'es sur un nouvel endroit, etc. Et y a une part de moi qui va vous dire que c'est un peu dommage parce que ça nuit un petit peu. On va dire. C'est un peu trop checkpointé, on va dire. Est-ce que ça va se fermer derrière moi? Ou est-ce que je suis dans la merde? J'ai l'impression que je suis dans la merde. Tu peux pas monter? Tu vas pas nous refaire le coup? Pourquoi il s'est... Est-ce qu'il est con? J'aurais dû me cacher quelque part. Ok, il m'a pécho. Mais ouais, c'est un peu, à chaque fois, on passe ces grosses portes, là, comme on voit à gauche, un petit peu façon des sas qu'on aurait dans un bateau ou quelque chose du genre, quoi. Et je trouve que ça, le découpage est un petit peu grossier. C'est un petit peu fait au couteau, quoi. Donc là, il arrive pas tout de suite, ça me laisse le temps de me cacher, je peux voir que c'était là qu'il fallait aller. Scène un peu creepy où le monstre est à côté de toi et t'espères que tout va bien se passer. Je questionne sur comment ça va sortir. Voilà. Il semblait bien qu'il allait se passer quelque chose qui allait faire que j'allais être l'oubli. L'oublier du siècle. Et là, bim, il chope. Non, mais t'es sérieux? Hop, attends, on se cache. Y'a des jouets. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Hop. Je vois rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Aidez-moi, je vois que dalle. Ouais, c'est ça. Cogne-toi bien comme un débile. Je peux pas monter là-dessus. Sérieux.
Si je peux roter, oui. Ah, cool, ok. Alors, à cool, ok, je l'ai bougé de 2 cm. C'est exactement ce qu'il fallait. Hein. Putain. Oh. La galérance. Tu veux pas le pousser un peu plus? Non, tu veux pas. Tu veux pas le pousser comme ça? Ouais. Donc c'est très bizarre qu'on puisse pas mieux le pousser sur certains angles. On va le pousser par là, alors. Il a pas envie. Il veut pas... Ah, ou alors je le pousse à gauche. Je ne comprends pas. C'est passé là. J'imagine déjà la scène où il allait passer son bras vers le bas. Parce que le mec, il a quand même, avec ses bras longs, ça peut créer des scènes plutôt intéressantes, quoi. Mais à la place, on décide de ne de pas me montrer ce que je peux faire. Retourne à gauche. Allez, mais putain, tu le vois bien qu'il y a... Mais faut arrêter d'être complètement stupide hein, dans ce jeu, par contre, s'il te plaît. Allô ? Merci. Ok, y a rien. Bon, alors ça va être la grosse question. Qu'est-ce que je dois faire ? Putain, on en revient toujours au même truc. D'arriver dans un endroit et... Alors je veux bien, c'est pas le but du jeu que tout soit donné ou quoi. Mais j'ai pas envie de me casser les couilles à chaque fois que j'arrive à une dans une pièce, de devoir regarder tout ce qui s'y passe, etc. Là, je n'ai aucune idée tout de suite de ce que, vers quoi je dois aller, vers où je dois aller. Comme c'est un peu caché, là, au fond, je me dis qu'il y a un truc et puis je ne sais pas. Je peux pas sauter, c'est très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois emmener le singe qui tape dans ses mains jusque la droite? Là, on dirait que c'est suspect, il y a un rayon de lumière. C'est pas très 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 agréable tout ça. Vraiment, putain, c'est pas... Ah ouais, bien, bien, très bien. Voilà. Je le sens bien en plus, hein, le truc. Il faut l'amener, et puis il y aura justement le coup du bras, comme je disais, qui était une bonne idée. Mais... Voilà, en plus, à chaque fois, il est bien au-dessus de moi, etc. Vas-y, active-le. Non. Mais s'il te plaît. Oh là 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 là. Putain. Ah, c'est le genre de truc qui me saoule tellement. Mais sérieusement quoi. Ah, attends. J'analyse ce que je dois faire parce que là tout va se faire dans la précipitation. En fait, faut prendre le temps quand on est en dessous de. Oh putain, t'es pile! Prendre le temps quand on est en dessous, quoi. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok, là, je vais mourir. Oh génial! Je me vois même pas. Tu peux. Vas-y, tu peux me faire tout ce que tu veux dans le coin sombre là. Voilà. C'est.
Vas-y, relève-toi tranquillement. De toute façon, c'est pas comme si on était pressé de te voir te relever, espèce de petite merde. Alors, on va observer. Parce que de toute façon, il faut qu'il aille là. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il va falloir escalader sans doute et repart. Je pense qu'il faut escalader la commode là ou le truc. Alors, on va monter tranquillou. Vas-y. Vite. Non. Mais vas-y, redresse-toi s'il te plaît, merci. Sois pas con. Est-ce qu'il va me... Ah, le fils de pute. Qu'est-ce qu'il fait? Genre, bah je te dépose en haut, c'est là que tu voulais aller. Mais alors s'il me dépose en haut, pourquoi est-ce qu'il me fait perdre? Putain de merde. La lourde essence, les contrôles, il y a 3 touches et demie dans le jeu et t'arrives tout le temps à te gourer. Il y a des touches sur lesquelles, par exemple la touche pour grab, monter, etc. Faut tout le temps laisser appuyer dessus. C'est chiant. Et en plus, généralement dans ce genre de jeu, la touche grab, c'est un peu la touche course. Et là, tu te retrouves avec... Alors on va retenter le truc, on attrape le bidule et on le jette. Voilà. It's a trap, bitch. Can you please check the trap? Allez, c'est parti. Et suce ma bite, putain! Donc, il faut que j'y aille calmement. Il faut que j'arrive à le cancel. Il faut que je me cache quelque part. Je suis saoulé. Alors. Il faut que je pense qu'il faut que j'observe. Où est-ce que je pourrais me cacher? En fait, j'en sais rien, donc je vais monter tranquillement quand même. Moi, l'observation, ça me saoule. Bien sûr, je ne meurs pas de faim pendant ces phases-là. Hein, c'est juste totalement programmé à des moments pour me faire manger un truc. Ce qui crée une atmosphère un peu bizarre autour du personnage de base, hein, bien sûr. Mais tu te dis... Ouais... bon, soit... C'est un peu dommage. Bon, par contre, ce serait bien que tu t'actives le boule. S'il te plaît. Alors, au moment où je m'active, non? Ok, alors, je me décale. Je vais le poser là-bas. Mais non! Donc là, il voit qu'il n'y a rien. Il repart de l'autre côté, c'est ça? Non? Je n'arrive pas à être sûr. Merde, il m'a ressenti. Plus rien ne bouge. Tu ne me sens pas. Je n'existe pas. Très bizarre les trucs qui se remettent. Non! Et pousse le truc! Et encore une fois, les contrôles stupides. C'est la touche qui permet de s'agripper à tout. Logiquement, ça permettrait de s'agripper au truc pour le pousser ou non. Faut juste mettre la direction. Discutable, hein, les contrôles, vraiment. Pourtant, voilà, dans un jeu où il y a peu de touches, pourquoi? Comment on arrive à faire que ces touches nous en mêlent autant? C'est vraiment... Hein? Mais il est partout, lui. T'es partout, putain! La porte va s'ouvrir violemment. Bla. Je crois que je la pousse, non? Ouais, bah tu m'étonnes que tu m'as flairé, mon pote. Ah, tu es sérieux?
Je vais m'arrêter sur là-dessus, moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on fasse. Je pense, moi j'ai vraiment pas envie de continuer, donc n'hésitez pas à me dire, continue pas, te fais pas chier, au pire trouve autre chose à faire à côté de la jungle. Mais c'est pas... Putain, ça me saoule ce jeu. Et puis j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps en le faisant. Donc n'hésitez pas, vous me dites ce que vous en pensez, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.